Mort de George Floyd. Aujourd'hui, si l'Amérique prend le premier rang sur les autres continents au monde, c'est grâce à la race noire. Ce sont les Noirs qui se sont sacrifiés pour la construction de toute l'Amérique. Point. Les USA ont été bâtis avec du sang humain de la race noire. Les grandes célébrités du continent américain, on les retrouve parmi les Noirs. Les grands cinéastes de Hollywood, ce sont les Noirs. Les grands basketteurs de tous les temps que les USA n'ont jamais connus, ce sont les Noirs. Les grands rappeurs de toutes les générations, ce sont les Noirs, les grands médecins, les grands pasteurs. Les grands athlètes de tous les siècles, c'est la peau noire. Les écoles et les universités de l'Amérique doivent instruire à leurs enfants de mère de la vraie histoire de la race noire et la vraie histoire du développement du continent américain. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les Noirs restent et resteront toujours des êtres sacrés des USA. Disons tout non à la torture, la barbarie et aux assassinats des Noirs aux USA et dans les autres continents. Même au temps de Covid-19, ce sont les Noirs qui travaillent pour l'économie américaine car c'est eux qui résistent à la pandémie. Alors chapeau aux Noirs. George-Floyd, ton nom restera toujours sur nos langues et ton image aura sa place dans nos yeux. Main en prière, main en prière. Voici quelques images des stars de la race noire qui font la fierté des USA.